Je m'appelle Océane, j'ai 20 ans, j'habite à LM près de Denain et je suis actuellement en service civique à Pôle emploi. Alors, je m'appelle Margot, j'ai 23 ans, je suis à la base d'Armentières. J'avais entrepris une licence en sciences d'éducation dans le but de devenir professeur des écoles. J'étais en vente avant mon service civique et actuellement je suis un peu perdue dans ce que je veux faire. Un recul, on va dire, sur le métier, ce qui me plaisait ou non. Donc après, j'ai décidé d'arrêter cette voie-là. Et donc là, je suis en reconversion professionnelle. Donc je me partirai pour le secrétariat. Donc je rentre dans ce dispositif pour trouver ma voie suite à mes expériences précédentes en vente qui ont eu des côtés un peu négatifs comme positifs. Du coup, j'essaye de voir avec eux si c'est la bonne voie ou si on peut trouver quelque chose qui me correspond le plus. Donc j'ai choisi d'intégrer ce dispositif par le biais de Madame Duhem, donc qui m'en avait un petit peu parlé. Et après, c'était aussi par curiosité pour voir un peu ce qu'il en était. Donc je me suis présentée à la réunion. Quel est ce dispositif qui accompagne les demandeurs d'emploi en difficulté? Suivons Océane et Margot dans leur parcours. Dans un premier temps, voici quelques précisions. Les entreprises s'engagent est un dispositif porté par le ministère du Travail. Il est mis en œuvre sur les arrondissements de Cambrai et Valenciennes par le club Inclusion qui est porté par le MEDEF. C'est une démarche inclusive qui vise à accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi vers le marché du travail. C'est également une démarche partenariale qui est mise en œuvre sur les territoires de Cambrai et Valenciennes. Ce dispositif est novateur puisqu'il permet un accompagnement renforcé et personnalisé pour les jeunes et moins jeunes qui sont en difficulté d'insertion professionnelle. À ce jour, une cinquantaine de chefs d'entreprise sur le Hainaut Cambrésis se sont mobilisés pour s'engager auprès de bénéficiaires de l'emploi pour les aider, notamment dans leur recherche d'emploi, dans le CV, dans la confiance en soi, leur recommander leur réseau professionnel pour découvrir des entreprises, des métiers, ou encore concrétiser un projet professionnel. Il y a soit l'accompagnement du bénéficiaire de l'emploi sur 2 à 3 mois, soit le recrutement directement de l'entreprise qui parraine. Pourquoi les chefs d'entreprise se sont-ils investis dans ce dispositif? Voyons cela avec Caroline et Jawad. Je m'appelle Caroline Sprier, je suis coach en développement personnel, accompagnatrice bien-être depuis 2018. J'accompagne des personnes en confiance en soi et en bilan de compétences. Bonjour, Jawad El-Kansouli, je suis le dirigeant et fondateur de la société Direct Bureautique, société que j'ai créée en 2014, spécialisée dans la vente de consommables d'impression. Alors, j'ai eu connaissance de ce dispositif par Ophélie Leroy du MEDEF qui m'a invitée à une réunion. J'avais connaissance donc de ce dispositif en amont de la réunion. Je me suis proposée en fait pour faire un marrainage. L'idée n'était pas d'embaucher pour moi puisque je suis auto-entrepreneur, mais je pouvais accompagner en marrainage et apporter mon aide à un jeune. J'ai rejoint le programme d'inclusion afin de pouvoir accompagner des jeunes en recherche active d'emploi pour leur permettre, par mon expérience de chef d'entreprise, de recruteur et d'employeur, de leur donner les clés d'une réussite prochaine. Après un moment d'échange entre partenaires, chefs d'entreprise et demandeurs d'emploi, c'est de façon ludique que se sont noués les premiers contacts. Rapidement, les binômes se sont formés et les premières rencontres se sont programmées. Bonjour Océane, bienvenue chez Direct Bureautique. On se voit aujourd'hui dans le cadre de notre premier rendez-vous de l'accompagnement inclusion. Alors dis-moi un petit peu, quelles sont tes attentes vis-à-vis du chef d'entreprise que je suis à aujourd'hui? Alors ce que j'attends, c'est que votre regard d'employeur puisse plus m'éclairer sur les attentes qu'on aura de moi, contrairement à ce que pourrait m'éclairer un conseiller Pôle emploi. Ce ne sera pas la même chose, donc j'aurai besoin de différents points de vue. Quelles sont les qualités que tu penses retirer de nos échanges dans la phase d'accompagnement? Je pense l'ouverture, j'aime m'ouvrir plus aux gens. La confiance en soi? Peut-être. Est-ce que tu penses en avoir besoin? Je pense que je pourrais plus développer cette qualité. Le monde de l'entreprise te fait peur à aujourd'hui? Je pense que c'est le cadre, en fait, le cadre fermé qu'on a, la vision générale de l'entreprise. C'est ça. D'accord. Donc trouver une entreprise libérée, une entreprise beaucoup plus ouverte d'esprit ou en phase avec toi, te permettra de t'ouvrir les portes des autres entreprises, si je comprends bien. Ouais, pas des entreprises où on est un peu enfermé, vous savez, dans une boîte où on doit se comporter d'une telle manière, vraiment genre un peu robotique, on va dire.
Alors Margot, bienvenue. Merci. Je suis contente de te revoir. Je voulais faire un petit point avec toi. Là, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un petit point sur tes attentes de marrainage, échanger, faire un petit peu mieux connaissance pour vraiment pouvoir dérouler ton marrainage et que ça réponde vraiment à tes attentes. Donc je t'avais demandé si tu pouvais faire un petit peu le point sur ce que tu souhaitais. Oui, alors moi j'avais dans l'idée que tu puisses m'apporter des conseils sur l'élaboration de mon CV. Oui, bien sûr. Ensuite travailler sur ma confiance en moi vu que je sais que c'est ce que tu fais en priorité. D'accord. Pourquoi pas si tu as des contacts à me donner qui pourraient être dans le milieu qui me plairait, donc à savoir le secrétariat, je partirais sur ça. Et ensuite, j'avais pensé à pourquoi pas faire une immersion dans ton entreprise, si c'était faisable et si tu trouvais l'idée... Dans le massage ? Non, pour... en fait, vu que je cherche à être secrétaire, j'aimerais voir si ça peut me plaire et donc si je peux t'aider sur... D'accord, avec plaisir. En plus, comme j'ai fait du secrétariat avant, je ne sais plus si je t'avais dit, j'étais assistante de direction. D'accord. Donc, je suis à même de t'apporter des connaissances... dans ce domaine, et en plus j'ai beaucoup de travail en secrétariat, donc un petit coup de main sera bienvenu. Okay. Voilà. À mi-parcours, les chefs d'entreprise engagés ont souhaité se réunir avec les partenaires pour faire le point. L'idée est d'interconnecter leur réseau au bénéfice du demandeur d'emploi. Alors le rendez-vous d'aujourd'hui a été un rendez-vous qui a été ajouté, qui n'était pas prévu initialement au programme qui nous avait été annoncé. Pour autant, je pense qu'effectivement, c'était une bonne matinée qui, déjà dans un premier temps, nous permet en tant qu'entreprise, employeur, d'apprendre à mieux se connaître, de connaître aussi les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de ce partenariat parrainage pour les bénéficiaires qui sont suivis, qui rentrent dans ce club inclusion. Donc, matinée riche d'échanges donc de bonnes pratiques, d'échanges aussi sur les entreprises aussi voisines qui peuvent recruter, les difficultés aussi qu'on a pu rencontrer en tant qu'employeur dans ce parrainage. C'est une première, je pense, pour tout le monde. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger et profiter de ces temps-là pour apprendre aussi à mieux se connaître les uns les autres. Et finalement, après quelques mois d'échanges en binôme, quel est le bilan de cette expérience ? Alors Margot, ce marrainage, avec quoi tu... qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai trouvé ça très enrichissant, donc à la fois par les rendez-vous réguliers qu'on avait pour le marrainage, où tu as pu m'aider sur ma confiance en moi, et puis aussi à travers les divers rendez-vous où je t'ai accompagnée, où tu m'as fait découvrir du monde. Ça m'a permis de prendre la parole, d'être plus à l'aise aussi, et aussi à travers donc l'immersion que j'ai fait avec toi en tant que secrétaire polyvalente, et les différentes tâches que tu m'as donné à faire, où j'ai vraiment été... où j'ai vraiment participé avec toi et ça m'a permis de découvrir un peu plus le métier de secrétaire qui pourrait effectivement me plaire. Voilà. Chouette. Et toi, alors, de ton côté, qu'est-ce que t'en... J'en retire une très très bonne expérience. D'une part, j'étais contente de faire ta connaissance, de découvrir une nouvelle personne qui, en plus, est vraiment proche. Et ça m'a permis aussi, parce qu'on se découvre toujours à travers l'autre, de pouvoir voir un petit peu comment je communique avec l'autre, comment je lui apporte des choses, comment ça s'est passé. Tu vois, et des fois, dans la communication, il y avait des choses que je pensais dire clairement et qui n'étaient pas forcément pour toi, et vice-versa. Et donc, moi, ça me permet aussi de m'améliorer dans l'encadrement d'une personne, si je suis amenée à accueillir d'autres personnes à la suite, peut-être en marrainage ou en immersion. Donc ça, c'était intéressant. Le côté marrainage, quelque part, je suis fière aussi de l'avoir fait parce que c'était pas prévu. J'étais appelée pour ça, mais si j'ai pu t'apporter une aide et t'aider pour ton futur métier, et te faciliter un petit peu dans ta recherche d'emploi et de confiance en toi pour ça, j'en suis ravie. Bonjour Océane. Bonjour. Nous nous voyons donc aujourd'hui pour la clôture de l'accompagnement.
Nous avons l'occasion de nous voir à plusieurs reprises, travailler ensemble sur votre CV, sur votre lettre de motivation. Depuis, je crois que vous avez eu l'occasion de passer quelques entretiens. Est-ce que ça a été porteur durant les phases de travail qu'on a eu à faire ensemble sur la connaissance de vous-même, les attentes de la part d'un recruteur ? Alors, je n'ai pas eu de retour positif, mais ça m'a permis de comprendre les points qu'il faut que je retravaille, que j'ai donc appris à retravailler avec vous, comme ma confiance en moi, mon audace. Et j'ai pu du coup retravailler ma lettre de motivation qui pourra plus porter à l'œil pour les prochains entretiens que j'aurai. Très bien. En ce qui concerne vos différentes attentes, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur les différents métiers et postes pour dire, même si aujourd'hui il y a ce poste-là, vous avez appris à le connaître, notamment les postes de mon entreprise. Ce sont des postes que vous savez maintenant qui ne sont pas faits pour vous. Néanmoins, est-ce que ça vous a permis de travailler davantage sur l'affinage, si je puis dire, des types de postes que vous recherchez aujourd'hui ? Alors oui, j'ai pu comprendre ce qui effectivement me correspondait et ne me correspondait pas. Je suis malgré tout restée sur mon opinion du commerce. Ça reste mon domaine de prédilection. Votre motive. Voilà. Et ça m'a permis, en travaillant avec vous, d'améliorer les points qu'il faut améliorer et que je vais continuer à améliorer pour avoir le profil pour ce poste-là. D'accord. Et ce dispositif donc, qui a été mis en place en matière d'inclusion, est-ce que vous trouvez que c'est une valeur ajoutée pour des jeunes comme vous qui sont en recherche active ? Moi, je pense, parce qu'on n'a pas l'idée parfois nous-mêmes de travailler sur nous, car on ne se rend pas compte toujours des points sur lesquels on doit travailler, et d'avoir un avis extérieur, du moins d'un patron d'entreprise, qui a l'autre côté de la vision, pendant un entretien ou de la vie dans un travail en général, ça permet d'ouvrir son horizon et de voir plus clair sur ce qu'il faut travailler sur nous. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ces entretiens avec moi ? Eh bien, j'ai rencontré une belle personne qui était en quête de sens, en train d'affiner ses choix de recherche, avec quelques déceptions professionnelles. Au fur et à mesure de ces différents entretiens, on a eu l'occasion d'affiner le CV, la lettre de motivation, de sceller l'assurance, qui est très important. Et il y a fort à parier que vos prochains entretiens permettent de réussir, puisque vous êtes une personne talentueuse, avec l'envie d'en découdre, qui a les défauts de la jeunesse d'expérience. Mais en parallèle à ça, vous avez un CV qui est déjà bien rempli pour votre âge. Il y a fort à parier que dans les mois ou peut-être même les semaines qui viennent, vous trouviez chaussure à votre pied en termes d'employeur. Oui, j'en suis sûre. Ce dispositif, qui est une véritable réussite sur les deux arrondissements de Cambrai et de Valenciennes, a permis à de nombreux jeunes comme moins jeunes de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et de pouvoir s'insérer durablement vers le marché du travail. Nous sommes ravis, dans le cadre de l'opération Les entreprises s'engagent, d'avoir réussi à mobiliser l'ensemble des partenaires. Nous avons accompagné plus d'une cinquantaine de personnes en difficulté à leur donner une perspective de travail ou de réorientation professionnelle. J'invite vraiment tous les chefs d'entreprise et les autres acteurs de la vie locale à nous rejoindre pour de nouvelles opérations.